Avec une grande férocité, la machine de guerre d'Hitler a lancé son attaque contre l'Europe de l'Ouest, qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée, mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Paul. C'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. L'attente occupe la moitié de la bataille. Et là, il me demande ma montre et moi, je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre, celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là, je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé, mais personne ne le laisse paraître. J'ai détesté Zussmann la première semaine, mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Stiles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent. Sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il voit plus rien. Aiello est vétéran. Mais honnêtement, Mans le traiterait de vrai pecno. Ok. Et si on pimentait le truc? Saint-Michel, le saint patron des soldats. Il couvre mes arrières depuis Kasserine.
Zussmann trois fois en 10 secondes, et il est tout à toi. Je sais pas. Oh, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussmann. D'accord. Ça marche. Oh, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. On se fait plumer. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait de jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. Je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Oh! Briefing à 18h, on est en retard! Je couvre nos arrières, Daniels. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. On se croit spécial, hein? Les boches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Sussman. En marche! Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. C'est tout bon, Daniels. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach, Johnson, avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Heureusement, le lieutenant Turner surveille Pearson. Il le tient bien en laisse. Et si Pearson est lâché, on se fera tous mordre. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. C'est maintenant ou jamais. Hé hey, je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Va falloir que t'attendes qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout. Souvenez-vous, vous enterrez pas sur la plage. Vous devez avancer. Restez baissés et dispersez-vous. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Je suis fier d'aller au combat avec vous. En toutes circonstances et partout. Ça va être leur fête, les gars! Les plages ont bien été pilonnées, hein? Tu as peur, soldat? Non, monsieur. Tu devrais. Daniel, tu as du feu? Bien sûr. Accrochez-vous!
plan! Va vers la digue! Quand t'es jeune, James, je fais une vogue à leur sous ces barbelés! Allez! Tenez-vous prêts! C'est parti! Baissez la rampe! On a un découvert! C'était un ordre, nom de Dieu! La rampe! Daniels, souviens-toi de ton entraînement. Ramasse-moi ce pétard. Tu peux le faire. Oui, chef. Oh, mon Dieu. Thank you.
balle, on m'a dit. Daniel, prends cette torpille, je vais te couvrir. Dès que ça pète, on fonce vers les bunkers. On y est presque. Tire, tire. Ça va exploser. Allez. Préparez. On y va. Dans la tranchée, vite. Sale fessure. Tiens, utilise ça. Ça va exploser. Tiens, utilise ça. Merci, l'ami. Ok, c'est parti. J'ai besoin que Zussman et toi ouvriez la voie et nettoyez ces bunkers. Allez! Avancez en file! Daniel, sans les bases sont retranchées! Daniel, lance une grenade dans le bunker! Surfus, lance une grenade, Daniel! D'accord! Oh!
Tu vas bien? Merci, je vais bien. Et la trousse de secours? La prochaine vague d'assaut ne passera pas! Continuez! Michel!
Au secours! Merde! On a dans le ciboulot! En provenance du sud! Avancez! Suivez derrière! Il est à terre! Cabine invisible! Oh, il est mort! Quitte leur abri! En incursion à l'ouest! Il s'avance en terre! Ouvre le feu! Avec moi! Daniels, toi et Zisman, nettoyez le dernier bunker. Ralliement en haut de la falaise! En avant! Avancez! Avancez! Allez, Zisman! Encore un! On va y arriver! Mes jambes! Oh merde! Sors-moi d'ici, putain! On va te sortir de là, reste avec moi! On doit rejoindre ce PRB! À gauche! Merde! On peut
t'es là ? Ah, je suis là ! Putain ! On peut descendre par là ! Je suis là ! Tu dois t'accrocher. Il y a toutes ces Parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai? Mais bien sûr. Je peux rejeter un œil à ta chérie. Tu te fous de moi? Non, c'est pas grave. Je vois que dalle. Je vais me reposer un peu ici. Non, 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 tu dois pas t'endormir. Hé ! Daniel ! Je suis là. Aide-moi. Bordel, qu'on fasse venir un infirmier ! Je m'occupe de lui, vas-y ! Il le soignera. J'ai besoin de toi, Daniels. Écoutez, il y a un canon GPF dans une ferme près de la route. Il bombarde la plage. En route ! On viendra te chercher. Vérifiez vos munitions et vos grenades. C'est compris. Direction la route. On y va ! Des munitions t'attendent, soldat. J'ai besoin de munitions, lieutenant. Attention, Daniels ! Attaquer dès qu'on arrivera à la ferme. Allez, dépêchez-vous. Ils tirent de la plage d'obus. Mitrailleuse dans le fenil. Mettez-vous à couvert. Visez cette mitrailleuse. Ah!
J'ai des munitions pour toi, soldat! J'ai besoin de munitions, lieutenant. Tiens, soldat! La voie est libre! Détruis ce canon! Entendu! Daniels. Allez les gars, rendez-vous au point de ralliement. Personne! Il me faut un bilan des pertes. On a perdu beaucoup de soldats. On a pris la plage. On l'a payé au prix fort. Daniels! Bordel, je pensais avoir tout vu. Il va s'en tirer. Ouais. Ils l'ont plutôt bien rafistolé. On n'aurait pas dû venir. Bah, fallait le dire avant. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en dois une. Disons qu'on est quitte. On ira jusqu'au bout. À la vie? À la mort? Tête de pont établie! On bivouaquera à la deuxième haie après la crête. Bienvenue au casse-pipe. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gamin? Aucun de nous n'était préparé. Mais t'as vraiment assuré. Merci. Tout ira bien, fiston. Merci. Oui, monsieur. Tout ira bien. Je sais pas quel abruti a décidé que c'était le meilleur moyen de reprendre l'Europe, mais il y a une chose qui est sûre. Il n'était pas sur la plage avec nous ce matin. Cela fait 7 semaines depuis le jour J. Nous quittons la Normandie pour aller plus dans les terres et sécuriser Marigny. Ainsi, nous contrôlerons les routes et nous pourrons traverser la France pour rejoindre Paris. La libération approche. Moi et les copains, disons qu'on s'en sort plutôt bien. Même si c'est jamais assez pour personne. Mais ça, on est habitué. Peut-être que je reviendrai à la maison à Noël avec de jolies médailles autour du cou. Et avant ça, il faut qu'on prenne Marigny. Schmeling contre la Motta. Je pense que Schmeling aurait mis la Motta KO. Impossible. Et Schmeling, c'est un nazi. Je le buterai sans hésiter. Les nazis sont servis de lui pour leur propagande, il n'a pas eu le choix. On a toujours le choix. Nietzsche disait que seulement toi, on t'a pas sonné, d'accord? Et si je te dis Louis contre Sugar Ray Robinson? Si c'est le Louis de 1938, alors Robinson gagne haut la main. Regardez un peu qui voilà. Tu devais pas revenir la semaine prochaine? Si, mais j'ai appris qu'une bande d'incapables allait prendre Marigny sans moi. Tout roule comme sur des roulettes. On pourrait même être chez nous à Noël. Bon, bah allez, montre-nous.
D'accord. Pas mal, hein? Waouh. Ouais, j'ai vu pire. Content de te revoir, soldat. Moi aussi, chef. Très bien, les gars. On a un coup en or à jouer cette fois. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Les taillis sont bien défendus et on a eu vent de plusieurs blindés allemands dans la zone. Mais si on parvient à prendre et à sécuriser Marigny, les routes sont à nous. Et si Zussmann peut revenir malgré une telle balafre, c'est que la chance doit être de notre côté. Faut toujours parier sur les vainqueurs. Pour Turner, nous protéger est une vocation. On y va! Mais la guerre aime mettre des bâtons dans les roues. Une blessure pareille, mais 8 semaines à guérir. Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. J'en ai rien à foutre de ta parole. Bien remis, hein. Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Le char démarre! Accrochez-vous, les gars! Ça va secouer! Comme toujours, non? Je pense que Pearson t'a à la bonne! Ouais, comme un lion m'aurait à la bonne. Allez! Allez! Eh ben, on dirait que tu tiens le coup! Et toi, ça va? J'allais pas vous laisser vous marrer seul. Oh, pas de danger avec Pearson! C'est pourquoi il t'a dans le nez ? La base de Kastrin ! J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais. Et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué les durs à cuire, et ses hommes y sont restés. Mission à foirer, un vrai massacre. Les nazis ont pas fait de quartier. On a survécu uniquement parce qu'ils ont pas bouclé l'ouest de la passe. J'ai vraiment failli y rester à cause de ce sale connard. Turner l'a pas digéré. En fait, c'est lui qui a rédigé un rapport. Et Pearson se dit que s'il fait de vous une section modèle, ça effacera tout. C'est pour ça qu'il nous étrille. Eh ouais, ça y est, tu dis. Voilà pourquoi il renoncera pas. Il tuerait pour rattraper le coup. Vous savez pourquoi je tuerais, moi? Pour de la vraie bouffe. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe, ça compte pas. Eh, on se fait un petit barbecue? Ils avaient aucune chance. Les obsèques se feront à cercueil fermé. Eh, c'était un être humain. Non, c'était un poche. Daniel, ça a raison. Il y en a des biens. On peut citer Kepler, Mozart... C'est bon, Einstein. Marlène Dietrich. Ah, ça me parle plus. Sans oublier les inventions comme la presse à imprimer, le microscope, les saucisses. Vous abusez, les gars. Vous entendez? Ils se dirigent vers nous. Stuka, on approche. Merde. Allez, dégagez. Éloignez-vous de la route! On fera une boucle! Allez! On doit protéger nos Germans! Je vois des tirs de DCA là-bas! Prenons l'un de ces canons pour descendre ces Stuka! Mitrailleuse dans la branche! Merde! Tout le monde à terre! On doit détruire ces mitrailleuses! Je veux que des équipes les contournent par la gauche et la droite! Allez, allez! Passez la pression.
Prends tes munitions, Daniel. J'ai besoin de munitions, lieutenant. Attention, Daniel. Chef, et voilà, il me faut cette trousse de secours. Derrière ces armes.
aérien et descends ces Toukas. Ces bombardiers déciment nos blindés. Tu dois les abattre. Ils arrivent. À une heure. Bon boulot, Daniels. Hey, c'est Pérez. Hey, Pérez. Ça va? Ils ont eu mon pote Mills dans l'embuscade. Et on leur a rendu la monnaie de leurs pièces. Il y a des îlots de résistance fortifiés avec les packs 38 devant nous. Va falloir faire le ménage. Très bien. Pearson, traversez le verger avec une équipe de tir et trouvez une position de soutien. Une fois que vous aurez préparé le terrain, je mènerai l'assaut principal avec Pérez. Bien compris. Daniels, Sussman, avec moi. Allez. RSKZ PAC 38. C'est quoi ces engins? Des canons allemands. Tueurs de chars. T'as pas le briefing? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse contre les tueurs de chars? Me pose la même question. C'est l'un des nôtres. Un P-47. Oh merde! Si seulement j'avais pris ce canon de DCA avant! Tu peux pas t'en vouloir. Ce sont des civils. C'est un crime de guerre. Sans blague. Par ici. Pas qu'on a fait des nazis. D'observation. Vas-y, sortez jumelles. Voilà Pérez et ses gars. Ils font droit dans la gueule du loup. On doit dégommer les servants de ces packs. Feu à volonté, tout le monde. J'ai deux packs en visuel. Daniel, aide-lui des servants. En fusil de précision, Daniel. Les servants des PAC 38 ont été éliminés. Ça avance.